Hello, c'est Nymeria Alpha. Donc, je continue mon gameplay sur le jeu la Div oh là là. Last of Us 2. Deuxième partie. Alors, dans l'autre vidéo, on a vu pour la première fois un boss. Ils étaient même plusieurs. Oui, ils nous ont gâtés, les développeurs. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Je suis pas morte une seule fois, je suis assez étonnée, mais voilà. Ça va beaucoup mieux avec les touches, je pense que c'est pour ça. Le drame, c'est que Dina est enceinte et elle va pas bien. Elle est fatiguée, elle vomit, etc. Donc franchement, il faut qu'on fasse remarcher la radio pour pouvoir contacter Maria. Éventuellement pour qu'elle vienne le chercher. Un truc comme ça, quoi. J'en sais rien ce qu'elle va faire avec. Alors, un petit mot en russe, puis après on y va. Привет всем, с вами Nymeria Alpha. Я продолжаю мой геймплей с игрой, прекрасной игрой. Я с вами только говорю. Один из нас, вторая партия. И в этот раз у нас был прямо драма. Тут мы видели первый раз видели этого первого босса. Это было классно. Это было классно. Нам прям повезло, я говорю, это вообще. Но надеюсь, что будет все хорошо. К сожалению, вернее, к сожалению, нет, это хорошо, но Дина беременна, так что она все время уставшая, все время сам, это может быть просто быть смертельно для нее и для ребенка. Тем более они думают, что там много не кушают и эти вот все вот эти вот все нервы, эти все. И думаю, это ей не в пользу. Ну, надеюсь, что пусть все хорошо. Теперь надо идти. Тут есть радио, рация, как сказать лучше, не знаю. И нужно, чтобы она функционировала. Поехали. Ok, on va tout fouiller comme d'habitude. Je sais pas si j'ai loupé des trucs ou bien pas en fait, mais je pense que j'ai loupé quand même pas mal de choses. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. Ouais. C'était pas ouvert avant. Non, c'était fermé. Est-ce que le jeu il marche ou pas? Avec la pluie là, je suis pas sûr. Nickel, oui. Et
Et ça ouvre quelle porte? J'espère qu'il y a des portes ici. Apparemment pas. Dis la carte d'âme. Tu piches, on défraîche. Non, on défraîche. Ah ben voilà la porte. D'accord. D'accord, mais d'abord on va fouiller de l'autre côté. Si ça vous embête pas. Ici. Que j'ai déjà été. Bon bah ok, alors on y va. S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, lève-vous. Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Ok. Oui, j'ai vu le truc. Ici. Ah, y a rien ici. Flippant. J'y crois pas. Quoi? Oh, une guitare. Non. Ça donnait quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais faut juste que la corde se fasse. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain.
Allez, ah, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Hop. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Il aurait pu enlever son sac à dos. Hein. Allez, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, ça... juste là, regarde. Ouais, je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Saute. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. D'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con. Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Trop bien. De basket? Parce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Ouais, c'est pas trop tôt. Bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non. Attends, une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Bah alors on y va ou quoi? Je te suis, vas-y. Waouh! On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise! T-Rex! Je le crois pas.
Putain, c'est un dinosaure. Reste mort, hein, d'accord. Dinosaure Rex. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. On peut pas aller à l'intérieur voir ce que c'est. Ah si, on y va. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Mais alors? C'est quoi? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Le chapeau. Génial. Tu veux l'essayer? Pas du tout. Comme tu veux. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Et ici, il y a quoi? Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Ce truc. Ah. Wow. Des fossiles, génial. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zore. Triceratops signifie tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Triceratops. Enfin que je reconnais. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Le nom Galliminus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. D'accord. Oh. Big one. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». Oui. C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde? Tu sais quoi? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Wow,
Dans le troisième. Le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Ah, ah. Très drôle. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais, le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Mmh. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. Elle veut pas le dire, non, non. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh, pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Ça va bien. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Joël. T'allais souvent au musée? Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. Il n'y a pas d'infecté ici. Oh, tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. Joël. T'es bête. Hey, Joël. Quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais. C'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça c'est marrant. Mais attends. Comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches et qu'ils les ont sentis après. Ok. Et maintenant? À toi de me le dire. T'as qu'à me poser des questions? J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace? Ah, oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire? Gagarin? Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu. Enfin bref, il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste? Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue? J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. Couillu.
Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Trop génial. Il est où le volant ? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover ? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Oui, c'est quoi cette fois-ci? La Lune. Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune? Deux. Six fois. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera sept. J'ai pas revu là-bas. Attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace. Et la crasse. Montre-moi cette tête. Magnifique. Après toi. Attention à la tête. Attention à la tête. Wow. C'est dingue. Oh. T'imagines le truc? Bon anniversaire. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Thank you.
aimé ton cadeau. J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Et maintenant? Attends. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Ben... Comme ça? Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est si. Mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Allez, viens, Joël. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Girolimo ! Ah merde, j'ai pas vu. Génial. Pardon. Fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Bah, essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. J'aime pas ça. Je suis séparée des... Oh, garde le moral, mon vieux. La carte. Des bisons.
tuer pour eux. En voilà un qui est en manque de câlin. Ok, et maintenant. Par là. Il fait sombre ici. Et j'aime pas ça. C'est qui? Qui sont entraînés dans le camp et voulaient juste manger. Montre-toi, putain. C'est mis à courir. Je peux l'arrêter. C'est quoi ça? C'est qui ces gens? Lire, nouveau... souffrance, nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça, on voudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dessous. Il ne reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveiller quelque chose me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs d'avant l'épidémie, avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent la colère, ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne veux plus me regarder en face. Super. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Mais bordel! Oh putain! Ça va, Ellie? Menteur. Ellie! Je suis là! C'était quoi ça? Rien, c'était juste un animal. Ouais. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens? Jour 2.
S'entraîner. Je ferais bien d'aller voir. Ouais. Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il crest. D'accord. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Oui, d'accord. Attends. Tiens, mets ça. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. Donc le 7h14, il reste.
On va sauvegarder, hein? Et je vais continuer pour la prochaine fois, ça va pour vous. Je suis quand même contente qu'ils remettent des petits souvenirs de Joël de temps en temps, parce que là il était vraiment tué pratiquement tout au début du jeu, et pour moi c'était choquant, franchement, que c'était trop brutal pour moi ce début du jeu. J'espère que on pourra le revoir encore, Joël. Est-ce que... Si c'est la deuxième partie, Last of Us 2, il y aura une troisième dans 7 ans. J'espère plutôt. S'il y a une troisième, je sais pas, ça sera avec Ellie, je pense aussi. S'il survit à ça. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Tommy survive et puis que Dina aussi, mais non d'un chien, c'est mal parti. C'est vraiment mal parti. Bah écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine, passez une très bonne soirée, prenez soin de vous. Et voilà. Ciao.